Alors, écoutez, on va prier. On va entrer dans la parole de Dieu ce matin. Et on va ouvrir notre cœur et on va laisser Dieu nous parler ce matin. Une des choses que je désire énormément à l'Assemblée de la parole de Dieu, c'est que lui, Dieu, agisse parmi nous. Que lui fasse son œuvre dans nos cœurs. Il y a deux choses que je recherche énormément. La première, c'est l'amour. Que Dieu nous accorde de vivre une expérience de son amour qu'on n'a pas encore connue. La deuxième chose, c'est la foi. La foi. Cette foi qui met sa confiance en Dieu, pas juste pour des miracles, des signes et des prodiges. Cette foi qui fait confiance en Dieu en tout. Qui n'interprète pas les événements à la lumière de la terre seulement, mais qui les reconnaît à la lumière du grand Dieu qui tient dans ses mains tous nos événements. Alors courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, nous avons confiance en toi. Mais tu connais les limites de chacun d'entre nous ce matin. Tu sais jusqu'où notre foi est présentement capable d'aller. Mais toi, tu sais, Seigneur, que la foi peut aller bien plus loin que ça. Parce que la foi est capable d'aller au-delà de la mort. Par la foi, nous entrons dans la présence de Dieu. Nous avons accès par la foi, à cause de Jésus-Christ, au trône, où nous recevons tout ce que nous avons besoin et l'aide que nous avons besoin pour vivre le restant des jours qui nous restent à marcher sur cette terre. Alors Dieu, sers-toi de ces quelques paroles ce matin pour nous rendre un petit peu plus capables de te faire confiance. Et je te prie encore une fois ce matin, fais descendre sur l'Assemblée une superbe dose d'amour pour qu'on puisse tellement aimer qu'on va arrêter de regarder aux faiblesses et on va s'aimer au point de gagner Granby par amour. Viens nous parler, Seigneur, ce matin. Merci d'avoir fait ta place ici, Seigneur. Merci d'avoir transporté une communauté ici. Et je te prie aussi pour les autres communautés dans la ville de Granby. Fais-les grandir, Seigneur. Apporte des perdus qui rencontreront la grâce de Dieu. Fais grandir les assemblées de Granby pour que le milieu de l'Église évangélique, de l'Église de Jésus-Christ ici, soit tellement fort que les autres villes du Québec seront ébranlées. Viens faire une œuvre ici ce matin, dans le précieux, précieux nom de Jésus qu'on aime. Fais-nous voir ce qu'on n'a pas encore vu. Pour ta gloire. Amen. Amen. À venir jusqu'ici, selon l'orientation des trois derniers messages que Dieu a donnés, nous avons vu que notre Dieu est en contrôle de tout. De tout, tout, tout. La semaine passée, on a parlé de transfert. On a vu que Dieu reste en charge de l'opération de sa puissance. Que ce n'est pas donné à des hommes de dicter à Dieu quoi faire avec sa puissance et la manifestation de sa puissance. Et on a vu également la semaine passée un point qui a été très, très, très important, c'est que lorsque Dieu désire accomplir une œuvre, sa puissance n'est pas limitée à la condition de la personne dans laquelle cette personne-là se trouve. On a vu que Dieu peut travailler par un Balaam. Écoutez, si Dieu peut parler par un âne, il peut certainement parler par Serge Pinard. Oups, je ne sais pas si j'ai bien fait de dire ça, là, mais...
Mais vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas accepter, c'est que si Dieu peut parler par un Caïphe, il peut aller chercher la gloire auprès d'un Saül qui va prophétiser toute une journée de temps tout nu devant Samuel. Si Dieu peut faire parler des pécheurs au nom de sa gloire, il peut certainement faire parler ses saints. Et la chose la plus terrible qui pourrait arriver pour les enfants de Dieu, c'est de se retrouver dans une situation où l'enfant de Dieu s'auto-dégrade et se prive d'être un vaisseau par lequel Dieu peut répandre sa grâce. Une chose que je trouve très intéressante, c'est que même dans la lignée du Messie, on retrouve la généalogie de Matthieu, on retrouve de l'adultère et du meurtre. Et ça n'a jamais empêché Dieu de réaliser son plan. Dieu est tout puissant. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Et sa puissance demeure pour nous quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi ce matin, je ne sais pas si vous allez être capable de suivre comme faut. Vous arrivez à voir les versets? Parce que la prédication que je vais développer ce matin, elle est basée, écoutez bien ce que je veux dire, elle est basée sur l'accumulation des versets. Je vais faire défiler devant vous ce matin une expression, une tonne de versets, pour vous montrer quelque chose que la parole de Dieu affirme. On avait vu dans Matthieu chapitre 10, puis ayant appelé ses 12 disciples, et rappelez-vous que l'un de ses disciples était Judas. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et infirmité. Et Judas a goûté aux puissances du siècle à venir. Mais ce texte débute par un mot très important. Puis. Prochaine diapo. On se retrouve dans le contexte où le grand discours de Matthieu chapitre 10 est développé. Au verset 35, chapitre 9, c'est marqué « Jésus parcourait les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées, abattues comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. D'envoyer qui? Verset. Puis, il appela les 12. Leur donna le pouvoir. Et si vous continuez le texte, il leur donne tout un paquet d'instructions. Faites pas ci, faites ça, faites pas ci, faites ça. Si vous entrez là, faites ça. Mais guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis, Jésus a vu les foules, il a eu compassion, et il a dit, c'est trop grand. Priez le Père d'envoyer les ouvriers dans sa mission. Et après cela, Jésus envoie, mais il envoie ses disciples équipés avec la puissance d'en haut pour aller annoncer la nouvelle du royaume. On s'est posé trois grandes questions, si vous pouvez les voir, je vais vous les lire. Trois grandes questions se posent à partir des versets et leur enchaînement. Les guérisons, les miracles, les signes, les prodiges, les exorcistes. Regardez bien la question. Font-ils partie de la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Pensez bien à ce que je viens de dire. Savez-vous ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu? C'est quoi? C'est quoi l'évangile? Le mot évangile veut dire quoi? Bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, c'est quoi? Dites pas c'est l'évangile.
Parce que là, je vais être obligé de vous reposer la question. C'est quoi l'Évangile? Vous allez dire la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est le... On va tourner en rond. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi l'Évangile? Vas-y, vas-y, mon ami, dis-le bien fort. OK, Jésus est venu pour nous sauver. On peut-tu élargir la bonne nouvelle? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu mourir sur la croix. Pourquoi? Pour nous racheter des péchés. Et ensuite, il y a une deuxième affaire que vous avez toutes reçues le jour où vous avez été sauvés. La vie. Il y a deux choses que vous êtes certains d'avoir reçues et qui font partie de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort à la croix. Il a été envoyé par le Père et tout l'Ancien Testament pointait vers Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ est arrivé le royaume de Dieu, la déclaration du royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est le Sauveur. Il est venu mourir, prendre sur lui. Vous rappelez-vous de l'une des premières prophéties qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu? Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et un petit peu plus loin dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Paul témoigne, il dit « Nous avons reçu la promesse en lui que si quelqu'un croit en lui, il reçoit par son nom le pardon de tous ses péchés et le don de la vie éternelle. » La bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle du royaume, c'est que Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, nous faire entrer dans le royaume de Dieu afin que nous puissions vivre éternellement pour lui. C'est simple comme bonjour, la bonne nouvelle. C'est juste ça. Et Dieu nous demande de croire à ça. Mais la question qu'on a posée, c'est est-ce que les signes, les prodiges, les guérisons, les exorcismes font partie de la prédication? Question qu'on va tenter de répondre. La deuxième question, le transfert de cette puissance aux disciples. Puis, il appela les 12, leur donna l'autorité, on a traduit par le mot puissance, l'autorité de faire des signes, des prodiges, de chasser. Ceci, est-ce seulement limité aux disciples de la période apostolique, ou est-ce que le moment où Jésus-Christ a transféré, c'était un signe, et remarquez bien ce que je veux dire, un signe programmatique. Vous savez ce que c'est qu'un programme? Est-ce que c'est un moment programmatique où Jésus est en train de dire, voici comment va se faire l'évangélisation, comment la bonne nouvelle va se répandre? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui a été donné aux 12 disciples? On sait qu'il l'a donné aux 70 disciples. Est-ce qu'aujourd'hui encore l'Église de Dieu doit s'attendre à la manifestation, une démonstration de puissance? Et là, j'ai posé une troisième question. Si nous répondons oui à la question précédente, tous les disciples de Jésus-Christ ont-ils reçu l'autorité, la guérison, pour faire des guérisons, des miracles, des signes et des exorcismes? On a parlé de cette question-là il y a quelques semaines. Et c'est pourquoi je veux que vous voyez quelque chose. Prochaine diapo, c'est marqué « Le cœur de la mission de Jésus-Christ. » Le cœur de la mission de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Matthieu, nous retrouvons deux versets qui se retrouvent seulement dans l'Évangile de Matthieu, à des moments précis dans l'Évangile de Matthieu, qui semblent programmer l'Évangile de Matthieu. Regardez bien les textes. On en a lu un. 9:35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Au chapitre 4, avant le sermon sur la montagne, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Si à partir de ces deux versets, je vous posais la question, que faisait Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait dans tout l'Évangile de Matthieu? Il allait de ville en
village. Puis qu'est-ce qu'ils prêchaient? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce que c'est tout ce qu'ils faisaient? Guérissaient les malades et ainsi de suite. Donc, une chose qu'on se rend compte, c'est que si on lit l'évangile de Jean et que ces deux versets très importants sont des versets clés pour comprendre la nature de l'évangile de Matthieu, on savait que Jésus était là pour quelque chose de tout à fait particulier. Il devait introduire Israël à l'évangile du royaume, et l'une des choses qui faisait partie de sa prédication ou qui accompagnait sa prédication, c'était les signes, les prodiges et les miracles. Et on a vu que Dieu travaillait de cette manière-là. Donc, on arrive à ceci, prochaine diapo, qui dit ceci: la bonne nouvelle du royaume de Dieu est avant toute autre chose une proclamation. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été sauvés sans avoir entendu parler de Jésus? Qu'on se lève. C'est impossible. Pourquoi? L'Évangile, c'est la prédication que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité d'entre les morts pour nous justifier devant Dieu. C'est impossible d'être sauvé sans cette déclaration du royaume de Dieu. Donc, regardez bien, dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, le verset 18, c'est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Voyez-vous, le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quelle délivrance? Délivrance de quoi? Vous pouvez dire du péché, mais juste du péché. Attendez. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Définitivement, Jésus cite le prophète Isaïe. Et il dit, ça s'est réalisé en moi, c'est en train de se faire. Mais on va aller un petit peu plus loin ici. Cette bonne nouvelle est que le royaume de Dieu est arrivé. Dieu annonce par l'entremise de son Christ, le Seigneur Jésus, qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et on l'a vu, elle enfantera un fils, il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais il y a une autre chose, on va avancer si vous voulez bien. La bonne nouvelle est aussi une démonstration. Puis ne manquez pas cette réalité-là. Elle est tellement importante. Vous l'avez là? Démonstration de quoi? Dans le chapitre 12, Jésus se fait accuser d'être un démon ou de travailler par Belzébul. En passant, donnez pas ce nom-là à un de vos enfants. Ce n'est pas un très beau nom. Bel, parce que j'ai déjà eu un chien qui s'appelait Bel, mais appelez-les pas Zébul. Encore moins Belzébul. Les Juifs avaient accusé Jésus-Christ d'agir par Belzébul, qui était le chef des démons. Et Jésus va leur poser une question. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je fais quoi? Que je chasse les démons. Remarquez bien la phrase qui va suivre. Le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Attendez une petite minute là. Seigneur, là, il faut que tu m'expliques. Si je prêche l'évangile du royaume de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est là, oui. Mais Jésus, il revient, il dit, si je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Voyez-vous, il fait un lien entre chasser les démons et la présence du royaume de Dieu. Très intéressant, parce que nous avons continuellement été formés et éduqués dans le fait que la prédication du royaume de Dieu, c'était annoncer l'évangile de Jésus-Christ. T'es mort, t'es dans le péché, Jésus-Christ est venu sur la terre pour prendre tes péchés. Si tu mets ta foi en lui, il va prendre tes péchés, il va te redonner sa justice, et tu vas être sauvé, tu vas avoir la vie éternelle et t'es certain d'aller au ciel. Est-ce que c'est tout ça que vous avez appris? Mais avez-vous déjà entendu dire que le royaume de Dieu consistait à chasser les démons? Ça ne fait pas partie de la présentation ordinaire de l'Évangile. Mais pourtant, Jésus l'inclut.
Regardez bien ce qu'on va lire, la prochaine diapo. Le royaume de Dieu réfère principalement à une force dynamique qui est l'exercice d'une autorité. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Cette force se manifeste par la prédication du salut qui est accompagnée par une démonstration, remarquez la phrase qui suit, qui est le renversement de l'autorité de l'ennemi à divers niveaux. C'est qui l'ennemi juré de Dieu et de l'Église? C'est Satan. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cet ennemi-là agit encore aujourd'hui. Mais manquez pas ce qui est en train d'être dit. Le royaume de Dieu, c'est l'autorité de Dieu qui s'exerce. La seule manière pour une personne d'être sauvée, c'est qu'elle naisse de... Et avez-vous déjà essayé de faire naître quelqu'un dans le royaume de Dieu? Êtes-vous capable de faire naître un pécheur dans le royaume de Dieu? À moins qu'une personne ne naisse d'en haut. D'en haut. Il faut que ce soit un mouvement du Saint-Esprit. Et la seule façon de libérer une personne de son lien avec le péché, la mort, Satan, c'est par une action spirituelle de l'Esprit. Car ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et le texte le dit tellement bien. Le dit tellement bien. C'est qu'à moins qu'une personne ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume. À moins qu'une personne ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Il ne peut pas voir, il ne peut pas entrer. Ça prend un acte surnaturel. Et c'est pourquoi je reviens au texte dans Matthieu chapitre 12, prochaine diapo, qui dit « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Et remarquez le verset 29, parce que le verset 29 est très important, parce que c'est une affirmation sur la puissance de Jésus-Christ et une affirmation sur l'ennemi de Jésus-Christ. Or, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans auparavant l'avoir lié, ou sans avoir auparavant lié cet homme fort. Qu'est-ce que Jésus devait faire pour que l'Évangile soit? Il devait lier l'homme fort. Qui est l'homme fort? Allez pas chercher bien loin. Comment a-t-il lié l'homme fort? En triomphant d'elle par, il l'a exposé publiquement. Il a triomphé. Il a lié l'homme fort. Et si chacun d'entre nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que préalablement, dans l'histoire de notre malheureuse vie, est entrée une puissance particulière qui nous a décrochés des griffes du diable et qui nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et cela, ce n'est nulle autre chose que la puissance de Dieu qui s'est exprimée par la prédication de l'Évangile. Et c'est tellement important que cet homme fort soit lié. Regardez dans Jean, la prochaine diapo, dans Jean chapitre 1, Jean 3, 8, qui est écrit, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et là, il va rajouter cette petite phrase, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, le verset 14, il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, et sous-entendu la mort de Christ, il rend impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Voyez-vous, dans la mort de Christ, il y a la rémission des péchés, mais il y a plus que ça. Il y a le fait qu'il y a un décrochage de ta personne, de ton être, de ta condition spirituelle dans la mort, dans le péché, dans la chair, dans les liens de l'ennemi. Et il y a ce transfert où tu es transporté parce que la puissance
de la prédication de l'Évangile de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu dans ta conversion a fait en sorte que la griffe du malin n'est plus accrochée après toi. Tu es maintenant libre. Libre. Tu as été libéré par la puissance de Dieu. Frères et sœurs, nous avons un Dieu tout à fait extraordinaire qui, par son Évangile, a exprimé quelque chose de puissant. Et il faut réaliser qu'il y a des milliers, millions de personnes qui sont encore sous l'influence du malin. Réalisez ce texte. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 4, c'est marqué ceci. C'est pas long. Comment est-ce qu'il dit ça? À celui qui a le... Comment est-ce qu'il dit ça déjà là? Voyons, j'ai complètement un blanc de mémoire. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous lire 2 Corinthiens 2, 4? 4, chérie, vas-y donc. 2, 4, 4. Juste les premiers mots. OK, si notre Évangile est voilé, pour ceux qui périssent, pour ceux qui... Qu'est-ce que ça dit ensuite? Pour ceux... Non, lisez 4, le verset 4 seulement. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? Puis pourquoi il a aveuglé l'intelligence? Pour pas qu'il voit briller la splendeur de l'Évangile. Alors, comprenez bien, le travail du diable est orienté vers le maintien de l'ignorance à l'égard de l'Évangile de Jésus-Christ. Et la meilleure manière qu'il a pour le faire, c'est de faire entrer des croyances contraires à l'Évangile dans la pensée des gens. Et ça garde ces gens-là incapables de voir l'Évangile de Jésus-Christ. Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Pensez-vous que vous avez cru parce que vous avez tout d'un coup, comme ça, découvert un trésor? C'est vrai que c'est vrai, non? Mais derrière votre découverte, il y a quelqu'un qui a enlevé un voile. Et celui qui a enlevé ce voile, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, lorsque nous approfondissons Matthieu chapitre 10, nous réalisons que la prédication de l'Évangile, manifestée par la délivrance des œuvres du diable, c'était le programme de Jésus-Christ. Et ce programme-là a été transféré à l'Église. Chose intéressante, tournons encore, et nous arrivons à ceci. La prédication accompagnée des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles dans le ministère de Jésus. Est-ce que j'ai besoin de vous lire des versets sur le fait que Jésus chassait des démons, guérissait des malades? Alors, on va passer 7-8 versets, puis on va se rendre jusqu'à Jésus a transféré son ministère à ses disciples. Jésus a transféré son ministère à ses disciples. Vous l'avez dans Matthieu chapitre 10, le verset 1, on l'a lu. Puis ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser. Au verset 10, verset 7, il dit, « Allez prêcher, dites, le royaume est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement? Donnez gratuitement. » Marc chapitre 6, verset 7. « Alors il appela les 12, il commença à les envoyer deux par deux en leur donnant le pouvoir de chasser sur les esprits impurs. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » La suite. Dans Luc chapitre 9, verset 6. « Ils partirent, ils allèrent de ville en village, annonçant la bonne nouvelle, opérant partout des guérisons. » Chapitre 10, verset 9. « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché. » Guérissez les malades et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché. Ensuite, ça a été transféré dans la période apostolique. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir ici. Et prenez le temps d'écouter les versets que je vais vous apporter. Chapitre 4,
le verset 2. Les Juifs étaient furieux que la parole de Dieu était annoncée. Et au verset 2, il dit, « Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. » Les apôtres annonçaient la résurrection d'entre les morts. Au verset 10, « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » De qui est-ce qu'il parle ici? Non. Le gars là, qui était malade, là, c'est qui ça? Chapitre 4. Vous rappelez-vous du fameux texte, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » C'était qui ce gars-là? Il était à la porte du temple dans le livre des Actes. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a donné, il l'a levé, et le gars a été guéri. Aussi simple que ça. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, de tralala, rien de ça. Il a été guéri. Dans le chapitre 4, le verset 29, « Après avoir passé à travers le Sanhédrin et ainsi de suite, verset 29, il va dire, « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. » Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Qu'est-ce que les apôtres annonçaient? Annonçaient la parole. Mais regardez ce qu'il va dire avec une pleine assurance. Au verset 30, il va dire ceci. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Qui faisait les miracles? Regardez bien le texte. En étendant ta main. La main de qui? De Dieu. De Dieu. Étends ta main pour qu'il se fasse quoi? Êtes-vous d'accord avec moi que les apôtres faisaient des miracles? Est-ce que Pierre a guéri? Est-ce que Jean a guéri des gens? Mais est-ce que c'est Pierre et Jean qui guérissaient? Êtes-vous en train de me dire que derrière l'homme qui pose sa main, il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que lui qui pose sa main? Alors, s'il y a juste un homme qui pose sa main, il va se passer quoi? Il faut que la grosse main soit sur la petite main. C'est bien ça? On va voir si on peut confirmer ça. Chapitre 5, verset 12. « Beaucoup de miracles et de prodiges se filiaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Regardez le verset 15. « En sorte qu'on apportait les malades dans la rue et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. » Pouvez-vous vous imaginer? Là, présentement, je suis en train de chercher mon ombre. Laissez-moi vous dire qu'elle n'est pas grosse. Mais on étendait des gens. Non, merci. Je veux rester petit. On étendait des gens spécifiquement pour que l'ombre de Pierre couvre. Pouvez-vous imaginer le torse de Pierre? Oh boy! Mon ombre guérit les malades. Pierre, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est important de réaliser ça. Dans le livre des Actes, on retrouve des personnages qui font des choses extraordinaires. J'ai tellement envie d'arriver à l'autre texte. On va en sauter, si vous voulez, il y en a ben trop. Ah! OK. On va aller autour de... Acte chapitre 8, le verset 4. Trouve ça là-dessus. Acte 8, 4. Une grosse persécution arrive dans le chapitre 8 avec les apôtres, c'est-à-dire contre les apôtres, contre l'Église. Les gens sont dispersés. C'est marqué, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne parole ou la bonne nouvelle de la parole. Verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, remarquez ce que c'est marqué, il prêcha le Christ, il va prêcher Jésus-Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.
prêche Christ, fais des miracles. Prêche Christ, fais des miracles. Il va dire, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et au verset 12, c'est marqué, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Les gens ont entendu, les gens ont vu les miracles qui s'opéraient. Hey, mon ami qui en a, je ne peux pas tout vous lire ça. Ouais, je vais être obligé de passer parce que présentement, je suis en train de penser à votre postérieur. Ceux qui n'ont pas de coussin. On va aller, la prédication de l'Évangile. Jésus-Christ a des miracles. Prêche le royaume de Dieu. Transfère aux apôtres qui prêchent le royaume, qui font des miracles. Ça se continue dans le livre des Actes des apôtres. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on tourne dans les lettres de Paul, regardez ce qu'on retrouve dans les lettres. Romains chapitre 15, le verset 19. Remarquez bien comment c'est écrit. Verset 19, il dit, « Par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile. » Prenez la France et revirez-la à l'envers. « J'ai abondamment répandu l'Évangile par la puissance des miracles, des prodiges, la puissance du Saint-Esprit, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie. » Prêchait l'Évangile, faisait des miracles. Dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, c'est marqué ceci, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Démonstration d'esprit et de puissance. Je vais sauter quelques versets. Dans 2 Corinthiens 12, 12, c'est marqué, « Les preuves de mon apostolat ont été au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes et des prodiges et des miracles. » Dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 5, « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, celui qui fait tout ça, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou la prédication de la foi? » Prédication de la foi, opération de la puissance de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 5, c'est écrit, « Et notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. » Qu'est-ce que tu veux dire, Paul, en parole seulement? « Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, avec puissance. » Le mot utilisé pour décrire les signes, les prodiges et les miracles. Dans 1 Thessaloniciens 1, 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant cette parole, la parole, au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Tout le contexte. Dernier texte que je mets devant vous, Hébreux chapitre 2, le verset 3, qui dit, « Et comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Un si grand salut, salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Quand je regarde l'ensemble du Nouveau Testament, que je parte avec Matthieu, Marc, Luc, que je prenne Jean, que je m'en aille dans les Actes des Apôtres, que je regarde les lettres de Paul, j'aurais pu regarder dans les lettres de Pierre, j'aurais pu regarder partout dans le Nouveau Testament. Il semble y avoir une sorte de constance. Il y a des gens qui vont venir au Seigneur par la simple prononciation de l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont venues au Seigneur sans l'implication des miracles et des signes. Mais savez-vous ce qui est intéressant? Et je vous mets au défi de le lire. Lisez le Nouveau Testament avec cette pensée. Trouvez comment les gens se sont convertis. Et vous allez trouver plus de conversions avec signes et prodiges et miracles dans le Nouveau Testament qu'avec la simple prédication de l'Évangile. C'est impressionnant lorsqu'on se met à réfléchir sur cette réalité-là. Mais il y a une autre chose aussi. C'est Dieu qui opère
la puissance. Vous allez également retrouver des textes où l'apôtre Paul a été obligé de laisser Trophime malade à Miette. Pas capable de guérir. Et là, il va dire, le Seigneur m'a épargné en lui laissant la vie. Pas été capable de le guérir. Et un de ses compagnons, son cher compagnon Timothée, au lieu de lui imposer, il lui dit, tu vas aller à la sac t'acheter une bouteille de vin assez régulièrement à cause de tes fréquentes indispositions. Il n'a pas été capable de guérir Timothée. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est ceci. Dieu reste le seul opérateur de sa puissance. Il va passer par des gens qui vont imposer les mains, qui vont prier, qui vont parler, et les choses vont arriver. Et il va y avoir dans d'autres circonstances, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu veut que ça se passe. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on retrouve les deux dans le Nouveau Testament. On retrouve des conversions avec des signes extraordinaires. On retrouve des conversions comme l'Éthiopien. L'Éthiopien est là en train de lire le livre d'Isaïe. Pouf, le Saint-Esprit emmène Philippe. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment je peux le comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Le gars se convertit, il se fait baptiser tout de suite. Pas de signe, pas de prodige. Philippe est envoyé à une place, il y a tout un paquet de signes, puis la ville vient au Seigneur. Va donc comprendre. Le Seigneur reste l'opérateur de sa puissance. Frères et sœurs, nous avons un grand besoin d'ouvriers au Québec. Nous avons besoin que des gens s'impliquent, donnent leur vie au ministère et que Dieu en appelle. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, au verset 35, qu'il parcourait les villes et les villages, il a vu la foule, il a été ému de compassion, il a dit, s'il vous plaît, priez le Père qui envoie des ouvriers. Puis il a équipé ses disciples pour être capable de le faire. Et c'est pourquoi j'aimerais aller à la première conclusion. La première conclusion qui dit ceci. La bonne nouvelle du royaume de Dieu consiste en un message précis accompagné par une démonstration. Que ce soit nouvelle naissance, signe, prodige, il y a des fruits à la prédication de l'Évangile. Prochaine diapo qui dit donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu est la prédication, l'annonce du salut de Dieu par Jésus-Christ accompagnée par la démonstration de la puissance de Dieu manifestée dans les signes, miracles, délivrance démoniaque et la nouvelle naissance. Il s'agit donc d'un évangile de puissance. Deuxième conclusion, si la prière de Jésus, le transfert de son ministère aux 12 et aux 70, est une démonstration programmatique qui annonce la continuité de la prédication de l'Évangile, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, alors l'Église s'enchasse, s'imbrique dans le même programme. Nous avons le même programme. Puis regardez bien les textes. Vous rappelez-vous de Acte 8? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au... J'aimerais vous poser la question, est-ce que les apôtres sont allés aux extrémités du monde? Réfléchissez bien à cette question. Est-ce que les apôtres sont allés aux extrémités du monde? À ma connaissance, ils ne l'ont pas fait. Jésus avait déjà prévu quelque chose. C'est un texte programmatique. Vous rappelez-vous dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, le prochain verset? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés où? L'Église de Dieu est envoyée dans le monde. Les apôtres ne sont pas allés aux extrémités de la terre, ni ceux de la période apostolique. Alors, ce sont ceux qui doivent aller aux qui sont ceux qui doivent aller aux extrémités de la terre? Le reste de l'Église. Tout au long de l'histoire de l'Église, depuis la naissance du Christ, l'Église de Dieu a fait pas par-dessus pas, elle a élargi l'Évangile. Et c'est encore en train de se faire dans les autres parties de la terre. Et c'est pourquoi je pose une question très importante. Que devons-nous demander au Seigneur? Que devons-nous demander?
La première chose que nous devons demander, c'est que la moisson est grande. Seigneur, envoie-nous des ouvriers. La deuxième chose que nous devons demander, c'est le dernier verset. Regardez bien le texte. Et maintenant, Seigneur, après avoir été emmené devant le Sanhédrin, battu de verve, les apôtres se réunissent, font une prière. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Remarquez, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qu'il nous faut demander? Ça fait assez longtemps que le Québec est dans la mort. Ça fait assez longtemps que l'Église existe. Et si vous avez moindrement suivi l'évolution de l'Église depuis les années 60, vous allez voir qu'à travers les années, Dieu nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a converti toute une génération de jeunes hommes, de jeunes femmes dans les années 70. Ces jeunes hommes, ces jeunes femmes se sont consacrés à Dieu et plusieurs de ces gens-là sont assis ici aujourd'hui. Combien est-ce qu'il y en a parmi nous qui se sont convertis dans les années 70 ici? Levez la main. Combien est-ce qu'il y en a qui se sont convertis dans les années 60? 60. Les années 70. Les années 80. Les années 90. Avez-vous remarqué comment ça l'arrête? Ça baisse. Il n'y en a pas beaucoup. Puis je vous le dis, vous pourriez faire le tour, mais dans les années 70, dans les années 80, il y a eu une portion du Québec qui a goûté à la grâce de Dieu. Ces gens-là ont construit les églises présentement et ce sont ceux qui sont dans la quarantaine, fin quarantaine et dans la cinquantaine. C'est nous, ça. De cette génération-là qui a vécu la grâce dans les cégeps, sont sortis les pasteurs qui sont présentement en poste et qui sont dans la cinquantaine. Quel âge qu'on avait quand on a parti l'église de Sorel-Tracy? Oh, Julie est venue au monde là-bas. On avait 30 ans de moins. J'étais dans la vingtaine, moi. Pas toi, hein? Je t'agace. Mais est-ce que vous voyez l'idée? Le pasteur à Drummondville, qui était M. Urtubise, était entouré de jeunes hommes qui ont parti une église, qui ont pris l'église d'Actonville. C'est un jeune homme dans la vingtaine qui a parti l'église de Saint-Hyacinthe. Si je m'arrête juste à Drummondville, on a fourni les pasteurs pour d'autres églises aussi à cette période-là. Un autre jeune homme a pris Actonville. Puis quand moi j'étais avec M. Urtubise, on pensait même partir une église à Nicolette. C'était nous qui partaient les églises. Moi-même, j'ai été impliqué. Sorel, Actonville. Et quand je suis arrivé à Grimbay dans les années 80, l'église était petite. Il était peut-être une quarantaine, Monique, cinquantaine de personnes dans l'église. On n'était pas beaucoup. On remplissait la petite salle sur la rue, pas loin en arrière, ici, là, avec l'école du dimanche en plus. Et on a vu cette église-là s'étendre avec le ministère. Mais dès qu'on est arrivé autour des années 85, il s'est passé quelque chose, ça l'a arrêté. Les chrétiens ont commencé à déserter les conférences. Puis j'ai été royalement surpris parce que c'était chez les baptistes, chez les pentecôtes, chez les frères chrétiens, puis chez toutes les autres. Je vous le dis, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté là. Il y a eu de moins en moins de baptêmes. Il y a eu de plus en plus de chicanes d'église et de divisions d'église, de chicanes entre pasteurs et conseils. Je me rappelle, à ce moment-là, j'étais avec l'Association des églises baptistes, et puis j'étais sur un certain comité d'implantation d'église, puis on passait notre temps à parler de tel pasteur avait tel problème avec son conseil, puis tel autre avait tel problème dans l'église. L'église était sur le bord de fermer ses... Ah, c'était partout, puis c'était pas juste chez nous, c'était partout! Et là, à un moment donné, en 94, on a entendu parler, il y avait quelque chose qui se passait à Toronto, puis tranquillement, pas vite,
Mais le Québec est resté sans être réellement touché par ces choses-là. Que des églises ici et là n'ont pas été touchées. Ont été touchées, puis that's it. Puis les fruits qui en sont sortis ne sont pas nécessairement positifs. Et là, nous, on a vieilli. On a acquis une maturité et une sagesse qui est importante. Mais durant tout ce temps-là, si vous regardez bien au Québec, durant tout ce temps-là, l'Église a acquis de la sagesse, de la connaissance, mais la société s'est en allée vers le bas. De plus en plus de corruption, d'abandon des églises. Les mœurs ont changé. Maintenant, nous, on est considérés comme des arriérés. Si on prêche l'Évangile, puis on a meilleur de parler de l'enfer, puis de parler d'homosexuels condamnés par Dieu, ça va être considéré comme étant du langage. Comment est-ce qu'on appelle ça? Du langage haineux? De plus en plus, l'Église est réservée dans le privé, puis on te demande de rester dans ton petit coin. Comment on va sortir de ça? Comment on va sortir de ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir apporter le Québec au pied du trône de la grâce de Dieu? Faut qu'il se passe quelque chose. Faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est pourquoi le dernier verset, « Seigneur, fais qu'il se fasse par les mains de tes serviteurs. » Un éclatement. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie spirituelle, mais vous resteriez surpris de voir le nombre d'enfants de Dieu qui sont plus intéressés à l'Église. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, sachant que j'étais pour parler de ça ce matin, je m'en allais à la maison un moment, je pense que c'est vendredi après-midi, et j'ai ouvert la radio au Poste chrétien, et puis ça parlait de les chrétiens qui recherchent un buzz. Et courent d'église en église, d'événement en événement pour essayer de ressentir quelque chose, à tel point que parmi les psychologues chrétiens américains, ils sont en train de trouver un nom pour cette maladie-là. Il y en a qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, des addicts, ça c'est le nom anglais, comment est-ce qu'on les appelle, les toxicomanes? Des gens qui sont contrôlés par une drogue. Le gars, il disait que c'est rendu tellement fort aux États-Unis que parce que les gens n'ont plus cette bosse-là, ils déduisent que Dieu les a abandonnés. Et plusieurs abandonnent la foi parce qu'ils ne sont plus capables de recréer cette bosse-là. Là, moi, je suis assis et je regarde tout ça. Je dis, Seigneur, ce n'est pas un bosse qu'on a besoin. On a besoin d'une véritable manifestation de Dieu. Quelque chose qui ne peut pas être corrompu. Quelque chose qui ne peut pas être imité. Et la seule chose que je connais qui ne peut pas être imitée, c'est Dieu qui se révèle lui-même. Et je demande à Dieu, comme les disciples du temps, le Québec a besoin d'une nouvelle manifestation de la présence de Dieu. Une manifestation de la présence de Dieu qui va engendrer à nouveau la conscience de Dieu chez le peuple. Et frères et sœurs, ça ne se fera pas sans l'Église. Ça ne se fera pas sans l'Église. Voyez-vous, personnellement, je crois que tout le trajet que moi, personnellement, j'ai fait, Dieu m'a pris, m'a instruit, m'a éduqué, m'a déraciné, m'a emmené dans une autre confession. Il a changé ma conception de plusieurs choses. Il m'a fait expérimenter cette puissance de Dieu, je dirais, à un niveau petit, un petit niveau. J'ai goûté à cette puissance du royaume de Dieu. Et en même temps, Dieu a commencé à élargir mon cœur de plus en plus pour ceux qui sont sans Christ, pour ceux qui se meurent. Pouvez-vous réaliser, frères et sœurs, qu'on est rendu à un point où le journal de Montréal nous parle de mères de famille qui ont abusé et tué leurs enfants, leurs propres enfants? Et là, tu dis, Seigneur, comment est-ce qu'une nation peut arriver à descendre jusque-là? Et ça commence à pleurer en dedans. Et à voir que tout autour de nous, frères et sœurs, ça meurt, ça s'en va en enfer.
Et le seul organe qui a le pouvoir d'apporter l'Évangile de Dieu, c'est l'Église de Dieu. On est en train de se battre pour un petit bout de terrain, pour une grosseur de fenêtre, pour telle autre affaire, tel pasteur avec son ministère qui ne veut plus parler à tel autre pasteur parce qu'il ne rentre pas dans ses cordes, l'autre veut être telle vedette. Puis je dis, on est en train de perdre notre temps. Il faut que l'Église se mette devant Dieu et crie, Seigneur, fais-nous voir cette gloire. Fais-nous voir cette gloire. Pas pour nous autres, frères et sœurs. Parce qu'entre vous et moi, là, dans 25-30 ans, là, pour nous autres, c'est fini. Puis il y en a que ça va finir plus vite que d'autres. Dans pas grand temps, on s'en va au ciel, nous autres. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas après avoir crié, crié, crié à Dieu? Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire dans la conversion de milliers, de milliers, de milliers de Québécois. Même au-delà du Québec, si on peut. Pourquoi pensez-vous qu'on prend le temps de regarder tout ça? Pour prouver qu'on a une bonne théologie? Écoutez, tout ça, là, j'ai pris ça dans des livres. Je n'ai même pas eu besoin de commenter. Je n'ai pas eu besoin de faire des recherches profondes. C'est tout écrit, c'est tout là pour celui qui veut le chercher. Mais il y a une chose qu'on ne retrouve pas dans ces livres-là. C'est ça ici. On ne retrouve pas le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, ça ne se met pas dans les livres. Ça se vit. Et si l'Assemblée de la parole de Dieu a élargi ses murs, c'est certainement pas pour qu'on regarde tout un paquet de chaises vides. Et c'est pourquoi je vous encourage ce matin. On est entré dans du nouveau avec une vieille mission. La mission n'a pas changé. Ce qu'il nous faut, c'est que Dieu donne un autre moment de grâce au Québec. On entend parler en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Inde, en Chine, mais l'Occident, on n'entend presque plus parler. Et mes amis, il faut que l'Église se relève. Seigneur, écoute ce qui a été dit ce matin. Chacun d'entre nous ce matin, on est ici devant toi. Et ce n'est pas à partir d'un blâme, Seigneur, c'est à partir d'un cri du cœur. Ça fait plus de 30-quelques années que l'Assemblée de la parole de Dieu existe dans Green Bay. Maintenant, Seigneur, sers-toi de nous pour aller chercher des âmes perdues, pour les emmener à maturité dans la connaissance de Dieu, pour qu'à leur tour, ils puissent prendre en main leur propre génération. Ouvre le cœur de cette assemblée pour qu'on soit capable de vivre avec tous les autres frères et les autres sœurs qui ont la même mission que nous. Ouvre les portes de cette assemblée pour qu'on puisse recevoir les malades de cette ville, qu'on puisse recevoir ceux qui ont des cœurs brisés et qui sont prisonniers dans toutes sortes d'habitudes et de péchés, Seigneur. Donne-nous assez de foi pour croire, Seigneur, que nos yeux peuvent voir beaucoup plus que tout ce qu'on a vu à venir jusqu'ici. Seigneur, je te rappelle encore Éphésiens 3:20 qui dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Mais Père, je te demande des milliers de conversions dans cette ville, au-delà de cette ville, dans tout le Québec, au-delà de nos dénominations, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour qu'on soit capable d'aimer plus que d'être aimé. Ouvre nos cœurs, nos intelligences, notre foi, pour qu'on soit capable de te faire confiance pour ce qui nous semble impossible. Viens faire ton œuvre, Seigneur. Et ce matin, l'assemblée de la parole de Dieu t'adore et continue de t'adorer jusqu'à ce qu'on se retrouve avec toi dans l'éternité. Merci, grand Dieu. Commence à agir parmi nous. Dans le précieux, précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.